Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que la miniature qu'il y a sur cette vidéo n'est pas vraiment celle-là que je voulais mettre. Car la miniature que je voulais mettre, j'ai carrément oublié de prendre en photo la construction. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment la miniature de la vidéo. Voilà, donc c'était juste un rappel, voilà, pour vous dire que c'est pas la vraie miniature que je voulais mettre. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est une miniature, voilà, la miniature c'est en fait une image qui représente la vidéo. Donc c'est parti, on peut enfin commencer la vidéo. Hey les amis, bienvenue sur votre chaîne préférée de Lego. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez constaté au titre de la vidéo. Aujourd'hui je vais construire une table en Lego avec plusieurs briques 2x4. Donc c'est une construction qui me semblerait vraiment classique. Donc si vous voulez que je fasse des constructions très originales, dites-moi vos idées dans les commentaires. Parce que construire une table en Lego, c'est un peu classique. Mais aujourd'hui je vais faire une table qui va être grande. Voilà, je vais pas faire une table toute petite en Lego, c'est nul. Voilà, ça va être une vidéo un peu gâchée juste pour faire ça. Donc je vais essayer de faire une table qui va être plutôt grande en Lego. Donc écoutez, puis blabla, et c'est parti pour la construction. Bon, let's go, je vais trier tous les briques 2x4 que j'ai besoin pour construire la table. Donc j'espère que vous m'entendez, donc désolé si ça arrive beaucoup. Voilà, donc écoutez, je vais tout trier et on rejoint juste après quand je vais trier toutes ces briques de Lego. Et voilà ce qu'il y a comme briques de Lego 2x4, il y en a quand même pas mal, mais je pense qu'il y en a encore dans la grande boîte, donc c'est pour ça que je vais encore trier juste après quand il y en aura plus. Voilà. Voilà toutes ces briques 2x4. Donc maintenant passons à la construction de la table. Bon, c'est parti, passons à la construction de la table en Lego. Maintenant, je construis les trois autres pieds allongés à côté du premier pied que j'ai construit pour que ça soit à égale distance.
Maintenant que les pièces sont construites, plus qu'à les empiler sur la plaque verre en Lego. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça ressemble pas beaucoup à une table, mais quand même, c'est un bon début. Comme vous aurez pu le constater, c'est un peu fragile. Maintenant, passons à la deuxième étape, le dessus de la table, toujours en Lego. Maintenant que la construction est terminée, plus qu'à le placer délicatement sur les pieds. Et faites pareil encore 3 fois, toujours délicatement. Et faites très attention que les pieds ne se cassent pas. Bon, ça commence à ressembler à une table, mais il manque encore le dessus de la table. Toujours encore un peu fragile. Bon, maintenant, on achève la dernière étape de la construction. Il y a un moment où je me suis trompé pendant la construction. Je vais tout recommencer hors caméra. Bon, maintenant il faudra retourner la plaque très délicatement et commencer à construire le dessus de la table.
Malheureusement, j'ai pas pu filmer la fin de la construction. Maintenant, il faut poser très délicatement la plaque au-dessus de la table. Il faut bien clipser les côtés de la plaque. Et voilà cette fameuse table en Lego que je trouve parfaite, voilà, avec plusieurs couleurs de Lego. Bon, malheureusement, je voulais qu'elle soit un peu plus grande, mais voilà, je n'avais pas assez de pièces de Lego pour la rendre encore plus grande, cette fameuse table en Lego. Mais quand même, je la trouve parfaite, sauf qu'elle est un peu fragile, voilà, on touche à peine, elle tremble un peu, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai testée avec 4 objets, voilà, si elle résiste bien, cette fameuse table, on ne peut pas les oublier au-dessus. Voir si ça résiste bien. Voilà, donc j'ai choisi 4 cobayes qui vont aller sur la table. Voilà, donc en premier, je vais tester le Rubik. Voilà, le Rubik Cube. Tout le monde connaît le Rubik Cube. Voilà. En deuxième, un mug de Marseille. En troisième, une lampe. Voilà, parce que parfois, quand on a des petites tables comme cela, on met des lampes au-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la lampe pour le troisième cobaye. Et le quatrième, lui que j'ai un peu plus peur, c'est un gros pot comme ça rempli de Lego. Voilà. Donc je vais tester ces 4 cobayes pour voir si la table elle résiste. Donc on va commencer, vous le savez tous, par le Rubik Cube. Voilà, donc ça je pense que ça va tenir. Parfait, ça tient super bien. Voilà, donc en appuyant un peu, je ne vais pas trop appuyer parce que j'ai peur que ça casse. Voilà. Donc voilà pour le Rubik Cube. En deuxième, on va tester le fameux mug. Donc là, il est un peu plus lourd, il y a un peu plus de poids. Donc attention. C'est bon. Là, ça va, ça tient bien. Voilà, on peut placer un mug sur la table en Lego. Pas des bols, parce que je pense que des bols, ça va casser. Parce que vous avez des bols, des gros bols en fait. Bref, oubliez ce que je viens de dire. Voilà, en troisième, on va tester la lampe. Voilà. Et ça tient parfaitement. Voilà. Donc, voilà pour la lampe. Et en quatrième, c'est celui-là. Donc, lui, il a un peu plus lourd avec quelques bois à l'intérieur. Donc, on va tester et voir si ça tient. Et ça tient parfaitement. Donc, je ne vais pas parler trop vite. Voilà. Donc ça tient parfaitement, c'est génial, voilà. Et après je vais pas là encore plus loin en mettant des gros objets, là je pense que ça va casser. Mais quand même, ça supporte des objets comme cela, voilà, assez gros. Bon voilà pour cette table en Lego. Donc voilà pour cette fameuse vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre dernier pouce bleu juste en bas de ces vidéos. De vous abonner à ma chaîne YouTube Lego Duco 96 si ce n'est pas déjà fait. D'activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Parce que si vous n'activez pas la cloche, et bon, vous allez pas recevoir mes nouvelles aventures que je vais faire prochainement sur cette chaîne YouTube de Lego. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt et à de prochaines vidéos. Allez, salut les amis!